Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui ne va pas révolutionner la psychiatrie, qui ne va pas révolutionner la compréhension du trouble bipolaire, mais qui est intéressant. Il s'agit d'évaluer le lien statistique possible entre le fait qu'une femme enceinte ait des problèmes thyroïdiens pendant la grossesse et le risque pour l'enfant de développer plus tard un trouble bipolaire. Donc c'est des grossesses qui datent des années 60, forcément, parce qu'il faut qu'on ait du recul sur l'évolution des enfants qui sont nés dans ces années-là, hein, 60-70. Et donc c'est un petit peu le moment là d'évaluer ce type de suivi et voir si effectivement les enfants nés de ces grossesses dans ces années-là ont évolué ou non vers un trouble bipolaire. Et qu'est-ce que nous donnent les résultats? Ils nous donnent qu'effectivement il y a un lien statistique assez fort, assez puissant même, entre le fait d'avoir un certain type d'hormones thyroïdiennes, notamment les hormones dites T4, basses pendant la grossesse, et le risque de développer un trouble bipolaire. Mais attention, pas n'importe quel trouble bipolaire, un trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Vous savez, c'est les troubles bipolaires où il y a, en plus de la symptomatologie habituelle du trouble bipolaire, des éléments de type délire, hallucination, souvent à thématique mégalomaniaque. Dieu m'a choisi pour amener l'amour sur Terre, ou pour je sais pas quoi, ou si c'est pas Dieu, c'est les extraterrestres qui m'ont implanté quelque chose dans le cerveau qui me rend super intelligent et super puissant et qui va me permettre de... révolutionner quelque chose, j'en sais rien, bref, un truc vraiment génial, un truc mégalo, où la personne est au centre de l'univers quasiment, elle devient extrêmement importante, hein, où il y a un authentique donc délire mégalomaniaque, et parfois même associé à des hallucinations, qu'elles soient visuelles, même si c'est rare, acoustiques ou verbales, c'est-à-dire j'entends des voix, ce qui est plus fréquent, ou synesthésique, je sens des choses dans mon corps, enfin peu importe. En tout cas, effectivement, il y a une association entre le faible taux d'hormones T4 pendant la grossesse et le risque pour l'enfant de développer plus tard un trouble bipolaire avec une modalité psychotique. D'accord ? De manière générale, par contre, il n'y a pas de sur-risque de développer de trouble bipolaire sans éléments psychotiques. Donc ça, c'est important, sauf par contre dans une sous-catégorie. Pour les femmes, effectivement, il y a un lien entre une grossesse avec une hormone T4 basse pendant la grossesse et chez les femmes, une augmentation du risque de troubles bipolaires. Mais voilà, le lien est moins fort, moins puissant que pour les troubles bipolaires avec caractéristiques dites psychotiques. Donc, bon, il faut prendre en compte parce que c'est quand même une grosse augmentation, hein, c'est quasiment 5 fois plus de risque de développer un trouble bipolaire. Quand on a une maman qui a eu une hormone thyroïdienne de type T4 basse pendant la grossesse, mais il faut aussi raison garder, dire que d'abord le trouble bipolaire c'est un risque relativement rare, c'est en théorie 1% de la population, donc voilà, on n'arrive pas à des chiffres terrifiants en se disant j'ai une T4 basse, je vais forcément avoir un enfant qui a un trouble bipolaire. Non, la plus grande chance que vous avez, si vous avez une hormone T4 basse pendant la grossesse, c'est de ne pas avoir un enfant souffrant d'un trouble bipolaire. C'est même l'écrasante majorité des enfants qui naîtront d'une maman qui avait une hormone thyroïdienne de type T4 basse. Soyons très clairs. Hein. Par contre, effectivement, ça augmente le risque. Et ça augmente beaucoup, mais un risque plutôt faible. Donc voilà, c'est pas non plus catastrophique. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a évidemment d'autres études qui sont nécessaires confirmer ou infirmer cette étude. On n'a pas encore de certitude à ce sujet. Après, il faut être honnête. On sait, même si pour l'instant il y a qu'un lien statistique qui est montré dans cette étude, on sait que les hormones thyroïdiennes, notamment l'hormone T4, a un impact sur le développement neuronal neurologique de l'enfant pendant la grossesse. Ça, c'est bien documenté, on en est relativement sûr, hein. Il y a un lien direct entre l'hormone T4 et le développement normal du cerveau humain. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc bon, même si pour cette étude, n'est qu'une étude de lien statistique, hein, entre le fait d'avoir une maman ayant une T4 basse et le risque de trouble bipolaire chez l'enfant, bon, il y a quand même un rationnel derrière. C'est pas fou d'avoir évalué cette hypothèse, hein. C'est pas fou du tout, c'est plutôt une idée... cohérente. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une causalité, mais
Voilà, ça commence. On peut commencer à se demander s'il n'y a pas quand même un vrai lien de causalité. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, commentez, likez, je compte sur vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.